Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne InfoAssist d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans le tuto qu'on va voir ensemble, on va voir le nouveau GB WhatsApp qui vient tout juste de sortir. La mise à jour vient de sortir il y a quelques instants. Donc, on va découvrir les nouvelles fonctionnalités et qu'est-ce que a été ajouté dans la version 13. Voilà, parce que dans cette nouvelle version, nous sommes passés à la version 13. L'ancienne version était la version 12. Et déjà, je peux déjà vous dire qu'il y a plusieurs différents paramètres qui ont été ajoutés qui sont vraiment waouh, qu'on va essayer de découvrir ensemble. Je vais vous montrer comment mettre votre WhatsApp à jour. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos. Et aussi de partager, de mettre des pouces bleus, car c'est les pouces bleus qui nous permettent vraiment de toujours faire des vidéos. Lorsque vous mettez des pouces bleus, lorsque vous partagez, la vidéo est bien référencée et on a des visionnages aussi sur notre vidéo. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo et de mettre le pouce bleu sur la vidéo. Comme je vous l'ai dit, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le nouveau WhatsApp. Voilà, le nouveau GB WhatsApp, la mise à jour vient tout juste de sortir. Pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé le GB WhatsApp, lorsque je suis rentré dans mon WhatsApp, il s'est dit mais c'est quoi tout ça, parce que ceux qui utilisent le WhatsApp officiel n'ont pas tous ces paramètres là. Voilà, ils n'ont pas les différents statuts qui s'affichent en haut, ils n'ont pas les différents icônes qui sont en haut. Voilà, donc le GB WhatsApp, pour ceux qui ne savent pas, c'est un WhatsApp matérialisé. Voilà, c'est à dire que ce n'est pas un WhatsApp de WhatsApp officiel. Voilà, c'est pas un WhatsApp officiel, mais c'est un WhatsApp qu'une autre personne a essayé de modifier pour ajouter certains éléments pour faciliter vraiment la tâche à plusieurs personnes. Et là, comme on le voit, il y a plusieurs paramètres qui ont été ajoutés, il y a plusieurs éléments qui nous facilitent vraiment la tâche que on désirait avoir sur le WhatsApp officiel. Pour moi, j'utilise ce WhatsApp depuis maintenant des années, je n'ai pas eu de problème là-dessus. Voilà, il y a d'autres qui vont dire mais est-ce que c'est sécurisé, est-ce que oui, c'est vraiment sécurisé, car de la manière que le WhatsApp officiel il est sécurisé de bout en bout, lui aussi il a ses mêmes paramètres, hein. Il est aussi sécurisé de bout en bout. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour la sécurité. Donc comme je le disais, il y a la version 13 qui est sortie. La version 13 qui vient de sortir comporte plusieurs éléments, voilà, plusieurs éléments, et qu'on va découvrir ensemble. Voilà, comme on le voit déjà, lorsque vous avez fait la version, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment mettre votre WhatsApp à jour. Voilà, déjà lorsque vous avez fait la version, vous avez pu déjà constater qu'il y a il y a des nouveaux paramètres qui sont venus s'ajouter. Exemple, les nouveaux paramètres, nous avons ici message shelter. Voilà, le deuxième ici. Voilà, ça va vous permettre ici de programmer des messages. Voilà, ça va vous permettre ici de programmer des messages. Et lorsque vous allez choisir un temps, voilà, une heure, voilà, par exemple, si je programme ça, c'est 16 heures par exemple, et je sélectionne par exemple la personne, voilà, la personne qui va recevoir ce message. Si je rentre dans mes contacts, je peux par exemple prendre Stéphane par exemple, voilà, Stéphane par exemple, voilà, Stéphane, et spécifique time, ici c'est, comment dirais-je, je vais choisir la date à laquelle le message va partir. Au lieu le 20 août, si je veux que le message parte le 20 août par exemple à 16h31, et si je mets mon message, salut bro, j'espère que tu vas super bien. Voilà, et ici j'appuie sur le bleu là, comme ça programme le message. Voilà, comme on peut le voir, le message a été programmé pour 16h31, le 28 mois 2021, à 16h31. Donc, même si je ne suis pas connecté à 16h31, comme c'est programmé, le message partira. Voilà. Donc, ça vous permet déjà de faire des programmations de messages. Au cas où vous n'êtes pas connecté, le message partira. Voilà. Donc, c'est déjà la première nouveauté qui s'est ajoutée sur le GB WhatsApp. Pour la deuxième nouveauté, lorsqu'on vient, on va y avoir auto-repli. Auto-repli, ça vous permet de répondre automatiquement à des messages que vous voulez, comme des bots. Voilà, comme des bots. C'est comme si il y a un bot qui va répondre à votre place. Parce qu'il y a plus sur le plus qui est là. Voilà. Ici, on me demande si je veux que ça réponde à tous les messages ou bien à une personne en particulier. Ou bien voilà. Donc ici, je mets tous les messages. Je mets tous les messages. Et ici, on me demande de mettre le message. Je mets salut. Salut, vous êtes bien sur la page info et astuces d'Abidjan. Je suis absent
pour le moment. Voilà. Et si on veut mettre délai de message, je vais prendre par exemple 5, voilà. Je vais prendre par exemple 2, voilà, 2 par exemple. Et si on me demande si je veux par exemple prendre, je veux envoyer à tous mes contacts au groupe ou bien à des personnes précédentes, ici je vais choisir mes contacts. Start time, c'est-à-dire ça doit commencer à quelle heure? Ça va commencer par exemple à 17h, 17h33. Voilà, et end time, je peux dire que je serai présent à 18h, c'est-à-dire à 17h33, je vais m'absenter pour revenir à présent à 18h, 18h33, donc 1 heure d'absence. Voilà, donc là c'est déjà programmé, c'est ici contact, c'est déjà programmé et j'active. Voilà, et là c'est déjà activé à partir de 17h33. Quand quelqu'un va m'envoyer un message, il va recevoir ce message. Salut, vous êtes bien sur la page Côte d'Ivoire WhatsApp, je suis bien absent, voilà. Et jusqu'à 18h, à 18h33, le message va se désactiver, il va se supprimer automatiquement. Voilà, donc ça vous permet déjà d'informer vos, comment dirais-je, d'informer vos différents, comment dirais-je, vos différents amis que vous êtes absent. Voilà, que vous êtes absent. Et lorsqu'on rentre dans les différents paramètres ici, WhatsApp, on voit qu'il y a la possibilité d'étendre le statut. Il y a la possibilité d'étendre le statut. Si on veut par exemple des statuts de 5 minutes, avec cette nouvelle mise à jour là, nous avons la possibilité de mettre des statuts de 5 minutes. Non, vous n'y rêvez pas. On sait déjà que les statuts ça durait que 30 secondes. Mais avec ce GB WhatsApp là, vous avez la possibilité de mettre des statuts de plus de 5 minutes. Voilà, de plus de 5 minutes. Donc lorsqu'on rentre dans Universal Home Screen Statue, lorsqu'on regarde, on voit ici qu'on dit 5 minutes statue. Alors, YouTube Post 5 minutes vidéo instant of 30 secondes. Voilà. Donc, avant c'était 30 secondes. Mais avec cette nouvelle mise à jour là, vous avez la possibilité de mettre des statuts de 5 minutes sur vos statuts. Vous voyez comment c'est vraiment génial. Imaginez-vous, vous voulez faire passer un message et vous êtes coupé à 30 secondes. Vous avez fait 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. C'est fatigant. Raison pour laquelle ils ont créé un truc où vous avez la possibilité de mettre des statuts de 5 minutes. Voilà, de 5 minutes. Vous avez la possibilité aussi avec ce GB WhatsApp, ce GB WhatsApp de télécharger le statut. Lorsque vous rentrez, on rentre dans le statut de quelqu'un par exemple. Je rentre dans ce statut-là, je veux télécharger l'image. Il appuie simplement sur le petit bouton qu'elle a de téléchargement ici. Et en me disant si je veux copier la légende. La légende, c'est le message qu'il a mis sur la photo. Ou bien je veux sauvegarder l'image. Si j'appuie sur sauvegarder, c'est sauvegarder directement dans ma galerie. Donc vous voyez comment c'est vraiment waouh. Voilà, donc c'est vraiment un WhatsApp qui possède plusieurs éléments qu'on peut vraiment, comment dirais-je, on peut vraiment l'utiliser soit en premier WhatsApp ou en second WhatsApp, tout simplement. Donc pour l'avoir, c'est tout simple. Hein. Pour l'avoir, c'est tout simple. Vous allez regarder le premier commentaire. Je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien dans le premier commentaire. Comme ça, vous allez venir directement sur cette page. Voilà. Lorsque vous venez directement sur cette page, vous allez juste descendre, descendre, descendre. Vous allez juste descendre. Voilà. Et ici, c'est les différents. Utilisez deux comptes WhatsApp sur votre appareil Android. Modifiez la couleur et l'arrière-plan du compteur de messages, non le directement dans la fenêtre de description. Ça aussi, c'est un truc qui est très important. Lorsque vous gérez un groupe et vous voulez voir qui cause, qui ne cause pas, vous venez directement dans le groupe. Et ici, les numéros que vous voyez en haut, 80, 1047, 69, c'est les différents messages que ces personnes envoient dans le groupe. Donc, si vous voyez 0, par exemple, c'est que la personne ne cause pas dans le groupe. Alors, la personne est dans le groupe 1. Ces personnes-là, ils ne participent pas, ils ne participent pas au groupe. Donc, vous pouvez retirer ces différentes personnes-là. Personnaliser les contacts en définissant une couleur. Mettez votre image en conversation. Limitez qui peut vous appeler avec une fonction de blocage d'appel. Cacher ou afficher le statut avec des fonctionnalités de personnalisation facile. Contrôlez maintenant à l'aide des chats en utilisant un verrou d'empreinte digitale. Voilà, donc tous ces paramètres-là se trouvent directement dans le nouveau WhatsApp là. Donc pour l'avoir, c'est tout simple. Vous allez venir ici et vous allez appuyer sur Miroir qui est en bas ici. Miroir, ça va ouvrir une nouvelle page et vous allez venir appuyer tout simplement ici. Et là, ça va
ça va s'installer directement dans votre téléphone. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué et vous allez avoir vous aussi ces différents paramètres que j'ai cités plus haut. Voilà, ces différents éléments là pour vous aider vraiment dans vos différents WhatsApp. Donc j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. N'oubliez surtout pas de mettre assez de pouces bleus, de partager s'il vous plaît, partager cette vidéo à vos différents contacts pour que eux aussi découvrent cette nouvelle fonctionnalité là. Portez-vous bien, on reste toujours ensemble. Ciao.